Alors, pouvez-vous vous présenter votre nom, votre âge? Je m'appelle Ekaterina, j'ai 27 ans. De diplôme, je suis ingénieur architecte. Présentement, je travaille dans le domaine de l'éducation. Je m'occupe des budgets pour les écoles, les garderies. Et je fais les tenders, c'est-à-dire les appels d'offres. Ça me plaît beaucoup parce que c'est un travail qui me permet de me développer. Je développe des choses nouvelles. Vous avez dit que ça fait pas longtemps que vous êtes ici à Zaporojie. Oui, je viens d'arriver à Zaporojie, je viens de Dniepropetrovsk. J'ai vécu un an et demi en Danemark, mais j'ai dû rentrer en Ukraine, et maintenant Zaporojie, c'est ma ville. Vous avez vécu un an et demi au Danemark? Oui. Pourquoi? Parce que c'était pour le travail. J'ai fini l'université, c'est là-bas après que j'ai travaillé. Et ensuite, les circonstances ont fait que je suis revenu en Ukraine. Vous avez des enfants? Oui. Oui, je suis déjà une maman, j'ai une fille, elle a 5 ans, elle s'appelle Carolina. Je considère que je suis heureuse. Ma mission productive a été remplie. Quel genre d'homme vous voulez rencontrer? Comment doit-il être? Moi, je n'ai pas une liste de critères. En premier lieu, je souhaite un homme qui sera mon ami, mon camarade dans la vie, avec lequel on pourra parler. On pourra parler de ses problèmes avec lui et il va m'écouter avec attention. Il sera attentionné. Pour moi, en premier, c'est les qualités de la personne qui sont importantes. Un homme qui va respecter les femmes. C'est le plus important. Et avec lequel on pourra regarder dans une même direction, penser dans une même direction et se taire dans une même direction aussi. Ce sera intéressant. Non. Non, madame. Où allons-nous aller? Excusez-nous, madame, on filme. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Ici, en Ukraine, on a beaucoup de squares et on en a très peu. Et ils construisent des choses sur les squares. Et cette femme est très inquiète qu'on va construire un centre commercial sur ce square. Et cette femme s'est mise à s'inquiéter. Elle a pensé qu'on allait construire un centre commercial ici. Oh mon Dieu. En Europe, ce genre de choses ne sont pas permises. C'est beaucoup plus, les choses sont plus en ordre. Ça veut dire que vous n'avez pas vraiment de critères pour un homme. Vous voulez qu'il soit gentil. En premier, je me suis déjà été confronté à ce problème-là. Je veux un homme qui sache valoriser les femmes, qui respecte les femmes. Parce que je fais partie de la catégorie des femmes qui cherchent des qualités morales. Pour moi, les qualités de l'âme sont en premier lieu. Les principes sont en premier lieu. Souvent, les hommes me demandent, les femmes slaves, est-ce qu'elles sont croyantes? Est-ce que vous êtes croyante? À chaque homme, ses croyances. Bien sûr, je crois à un créateur. Mais je ne suis pas une fanatique. Ça m'arrive parfois d'aller à l'église, mais je n'y vais pas chaque semaine. Mais j'ai une croyance dans mon âme, bien sûr. Et il faut vivre avec cela. Ça fait longtemps que vous avez décidé de vous inscrire dans une agence matrimoniale. J'avais pas vraiment cette ambition, mais simplement j'avais un exemple.
Une amie qui m'a conseillé. Et cette femme m'a dit que c'était une bonne agence. Et je suis très active dans la vie. Autour de moi, toujours, il y a beaucoup de vie. J'aime communiquer. J'aime le... Je pense que le mouvement, c'est le progrès dans la vie. Et parfois, 24 heures ne suffisent pas dans la vie. Alors je me suis dit, pourquoi pas? On est en 21e siècle et pourquoi pas faire affaire avec une agence matrimoniale pour m'aider à trouver l'amour. Parce que dans la rue, c'est très difficile de rencontrer quelqu'un. Vous pensez qu'il y a une différence entre les sites de rencontre et les agences matrimoniales? Oui, bien sûr. En tout cas, selon les avis, votre agence est très bien vue en Ukraine. Et présenter des hommes qui ont réellement envie de fonder une famille. Et c'est seulement ce genre de forme qui m'intéresse. Je ne veux pas offrir mes émotions, mon énergie et mon attention comme ça à un homme qui n'est pas sérieux dans ses intentions. Si je veux rencontrer un homme qui ne va pas exploiter les femmes qui sont faibles, je veux un homme qui va m'offrir à moi aussi de l'attention, de l'amour pour moi et ma fille. J'ai une fille, donc il faut l'énergie pour l'élever et tout ça. Et je suis une femme, je suis fragile, j'ai besoin d'être protégée, d'être défendue. Et j'espère beaucoup que je peux rencontrer un homme qui va être comme ça. Quel âge vous avez? 27 ans. Quelle différence d'âge pour vous est acceptable? Je vous dirais comme ça. Parfois, il y a des hommes de 30 ans qui comprennent le sens de leur vie, qui ont des buts dans la vie. Et des fois, il y a des hommes qui ont des 60 ans et qui ne savent pas ce qu'ils font dans la vie et qui n'ont pas de but. Je pense que l'âge... C'est pas si important, entre 30 et 45 peut-être, je sais pas vraiment. J'ai pas de principe sur l'âge. Je veux simplement que rencontrer un homme qui soit mon homme, mon mari. Mais j'ai pas d'idéal comme ça. Et si l'homme a déjà des enfants? Oh, pour moi c'est absolument pas un problème, je suis plus que convaincu que ça va bien se passer, j'aime beaucoup les enfants. J'ai une fille. Et si l'homme a des enfants, on va trouver la force de tous s'aimer, de s'entraider, d'élever ses enfants. On ne va pas mettre des frontières, ça c'est ton enfant, ça c'est mon enfant. Pour moi, ce n'est pas un problème. Pensez qu'il y a des différences entre les hommes étrangers et les hommes ukrainiens? Oui, je pense qu'il y a des différences. Lesquelles, par exemple? Probablement parce que je suis déjà allé en Danemark et que j'ai vu des hommes là-bas. Je peux dire que dans notre pays, les hommes sont vraiment trop gâtés. Les femmes s'intéressent trop à eux. Pour nous, les femmes, c'est très facile de les obtenir en Ukraine. Pour un homme. Les femmes ne se respectent pas suffisamment et elles permettent que les hommes les traitent sans respect. Et les hommes, ils utilisent le fait qu'il y a un tel volume de femmes et ils exploitent les femmes et après les femmes souffrent et n'ont pas de respect. Et je pense qu'en Europe, les hommes, je crois, ils sont plus attentionnés avec les femmes, ils sont plus respectueux des femmes. Il y a simplement un rythme de vie différent, avec une autre mentalité, c'est certain. Voilà, je pense qu'il y a des différences, oui. Vous avez dit que vous cherchez seulement une relation sérieuse.
Selon votre opinion, combien de temps ça dure entre la rencontre jusqu'au moment où vous êtes certaine de l'homme que vous avez rencontré? J'ai compris. Combien il faut de temps pour établir une relation? Si c'est un homme à l'étranger, je comprends que ça ne peut pas durer des années. Mais je crois que déjà à la première rencontre, on comprend si c'est un homme pour toi ou pas, sur le plan énergétique. Même aux premières rencontres, on peut savoir. Il peut y avoir des rencontres par Skype, à distance. Mais je pense qu'un mois, on peut comprendre quel genre d'homme c'est. Je ne parle pas du type de relation, mais au bout d'un mois, on peut déjà comprendre quel genre d'homme c'est, quels sont ses plans dans la vie, quels sont ses regards sur la vie. Vous avez déjà eu des demandes de nos hommes? Non? Ah, je suis surpris. Oui, c'est vrai. Je me suis inscrite juste avant la nouvelle année. C'est étonnant. Vous n'avez pas de belles photographies? Non, je ne crois pas. Comment pourrais-je dire que je n'ai pas de belles photographies? J'ai de très belles photographies. Je pense que la vidéo va vous aider. J'espère beaucoup. Comme femme, je crois que je peux offrir beaucoup pour un homme. Je peux offrir un confort dans la famille, la compagnie, partir en vacances avec lui. Vous parlez un peu en anglais? Malheureusement, je parle très peu. Quand je vivais en Danemark, ils ne parlaient pas tellement bien l'anglais. Je suis revenu en 2015, même 2014. Je crois que j'ai tout oublié mon anglais. Mais je mettrai le maximum d'efforts pour apprendre une langue. Ce serait bien de connaître plein de langues. C'est actuel à notre époque. Mais malheureusement, j'en ai un peu honte. Je ne maîtrise pas beaucoup de langues étrangères. Mais ça s'apprend vite. Je ferai des efforts, je vous promets. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention. Да, действительно, видео помогает. Помогает. Я уже интересовалась у Татьяны. Я говорю, как там? Говорю, может, как-то обновить надо или как? Я удивлен, потому что.